Bonjour et bienvenue, c'est The Game. J'espère que vous allez bien. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est de savoir avec quelle nationalité vous ne sortirez jamais. Je vous laisse suivre cet élément et on se retrouve à très bientôt. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super bien. Ah, j'aime bien tes trucs là et ce que t'as mis là, c'est bien. Merci. Et ça également. Ça fait comme jamais. Donc. Ah, ça posera pas de problème avec ton mec là. Parce que là, on se connaît pas, mais oui, j'apprécie ce que t'as mis. Là. T'es marié? Depuis combien de temps? Un an. Ah, c'est pas une disquette? Bon, ok, on y va droit à la question. Avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? J'ai pas de nationalité avec qui je ne mettrais jamais. Sérieux? Mais il y a d'autres qui nous disent, je sais pas, peut-être les Asiates et je sais pas. Non, bah non, c'est un peu le feeling. Moi, c'est pas, je te catégorise, genre. Mm-hmm. T'as pas de préférence de ces côtés-là, genre nationalité, non. J'ai des préférences, mais je catégorise pas les gens juste parce que c'est comme ça. Salut. Ça va? Très bien. Oui, très bien. Ouais, moi, j'aimerais bien savoir, avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? Les Hindous, les Chinois et les Congolais. Et les Congolais? Ouais. Et pourquoi? Que vous êtes trop infidèles. Ah ouais? Ouais, ouais. Même les Indos? Même les Indos? Ou uniquement non, les Congolais? Non, c'est parce que j'aime pas du tout. Ouais. Ouais. T'as vécu avec un Congolais? Ouais. Et il t'a déçu? Ah ouais, de ouf. Sérieux? Vous êtes tous les mêmes. Ah oh là là. Ah ouais, moi, je suis malheureux, moi. Non, mais franchement, sincèrement. Bah, tu peux tenter avec moi, alors. Non. Avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Sérieux? Sérieux. T'as pas de préférence de mec, non, pour toi j'aime tout ça blancs. Passe. Que des blancs, pas de rénois. Non, j'aime bien les blancs aussi, mais j'ai pas de préférence. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, salut Frangin. Tu vas bien? Ouais, super, et toi? Ça va, merci. Ah ouais, beau gosse. Merci. Ah, ça fait combien de temps avec tes cheveux là? Ça fait une dizaine d'années là. Une dizaine d'années. Ah ouais, super bien. Et moi j'ai une question, est-ce que tu seras franc? Pardon? J'ai une question, tu seras franc? Ouais, je serai franc. Avec quel type de fille tu ne sortirais jamais? Bah. C'est un thème, ça fait plutôt au feeling, tu vois. Mm-hmm. Mais je te cache pas que j'ai mes préférences. Il n'y en a pas avec qui je ne sortirai jamais, mais j'ai des préférences. Et ça se tournerait plus vers africaine, mm-hmm. métisse et maghrébine. Ah ouais, ouais. Mais il n'y a pas une particularité des nationalités ou origines Avec qui je sortirai jamais? Ouais. Je pense française de souche, tu vois. De souche, tu vois, genre bretonne, truc comme ça, les françaises blanches, non, je peux pas. T'aimes pas des blondes Non, blondes, rouges, tout ça, non. Et pourquoi ils n'ont pas le flow ou comment? Je sais pas, ils n'ont non, pas le flow. Non, c'est même pas ça, mais je sais pas, elles me plaisent pas, elles m'attirent pas. Ah ouais, zéro. Ouais. Après, je sais qu'elles plaisent à d'autres personnes, mais j'en fais pas partie. Et t'es plus attiré par quel genre de meuf? Métisse, africaine, ah ouais. africaine noire, du coup, et ouais, maghrébine. Donc et toi, t'es d'où? Moi, je suis à moitié martiniquais, à moitié guinéen. Ah ouais. Salut. Ça va? Ouais, super bien, t'as des beaux yeux. Et toi aussi, ça va? Oui. Moi, j'aimerais bien savoir avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais. Jamais? Ouais. Je dirais les Andous. Hein. Les Andous. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Andous? Je sais pas. C'est corporel, je pense. Ah, tu vas avoir des problèmes avec les Andous. Hein. Ah, mais c'est pas grave ça. Ah ouais, t'as pas des potes? Non. Si, des potes, ils veulent, mais après sortir avec, c'est autre chose. Et s'il y a une meuf qui te craque, elle veut sortir avec toi, mais elle est Andous. Non. Non, ça va pas marcher. Non. Et toi? La même chose. Hein. La même chose? Ouais. Ah, vous êtes en couple? Ah, vous avez des points communs là, je vois. T'es vraiment une connasse. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super bien. Génial. Oh, t'es contente, hein? Ah, je suis heureuse là. Avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? C'est pas raciste, mais les Asiates. Les Asiates. Ouais. Tu peux développer. Je sais pas, ça m'attire pas. Parce que la plupart des gens disent les Asiates. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à voir les Asiates? Je sais pas. Ça m'attire pas. Physiquement, ça m'attire pas. C'est pas. Physiquement, ils sont comment? Je sais pas, c'est un tout en fait, c'est ce qui dégage en fait. Moi je cherche le charisme, tu vois. Ah ouais, ils n'ont pas de charisme les Asiates. Non, je dis pas ça, mais ouais. Ça m'attire pas. Beauté, beauté. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui. Pourquoi rigoler? Ouais, je vais bien et toi? Ouais, super bien. Moi j'ai une question. Avec quelle nationalité vous ne sortirez jamais les deux? Moi c'est les Capverdiens. Les Capverdiens? Ouais. Et toi? Pareil. Développe un tout petit peu. Je sais pas, il aime pas. Ah non, parce qu'elle a dit Capverdien et non. Mais non. Vous êtes des sœurs? Non. Et pourquoi vous avez des points communs? Parce que vous êtes des copines, des meilleures. Des potes, ouais, des meilleures potes. Mais dis-moi, développe. Pourquoi?
Ouais. Je les trouve pas. Non, je ne peux pas dire la raison. Mais vas-y, vas-y, lâche-toi. Je les trouve. Oui, ils sont trop pervers, ils sont trop. Enfin, leur choré, genre leur danse. Genre, ils sont. Genre, surtout leur danse, j'aime pas, ils sont des trop sales. Après, excusez-moi les Capverdiens, mais j'ai trop sale. Trop sale. Ouais, c'est mon point de vue. Et excepté les Capverdiens, il n'y a pas d'autres? Non. Non. Coucou. Salut. Ça va ou quoi? Ça va. Ok. Ouais, super bien. Est-ce que je peux t'aider? Oui, bien sûr. Ok, merci. Voilà. Comme ça, on va aller ensemble juste après l'interview. Ah, ok. Moi, j'ai une question. Avec quelle nationalité vous ne sortirez jamais? C'est difficile comme question. Mm-hmm. En fait, je pense... bon, déjà, avec quelqu'un avec lequel je ne pourrais pas parler, mm-hmm. pour la langue. Oui. Avec les Chinois, je ne sortirai jamais. Les Chinois. Ouais. Par rapport à leur langue, mais il y a des Chinois qui, parlent français. Non, parce que j'aime pas la culture chinoise. Pour leur culture, c'est compliqué. Mais en fait, j'ai connu une Chinoise une fois, j'habitais avec elle 2 mois et je n'ai pas trop aimé leur manière de parler. Il y a quand même l'exception. Oui, bien sûr. Mais en général, après, c'est normal. Là, c'est la moyenne de la population. Si tu me poses la question comme ça, je dirais Chinois, mais après, chaque personne est différente. Vous allez bien? Ouais, toi? Super bien, un beau sourire. C'est ça. Ah, c'est ta meuf? Parce que là, quand je dis un beau sourire, t'as pas la haine? Non, ça passe. Bon, moi j'aimerais bien savoir avec quelle nationalité vous ne sortirez jamais? Bah, les Asiates. Ouais, Asiates. Les Asiates, pourquoi? Je sais pas, ça me plaît pas du tout. Non, pas, je sais pas, le charisme ou je sais pas. Non. Non. Ah ouais? Et à part les Asiates? Ils ont d'où? Ouais, les Pacas, ouais, c'est là, ouais. Ah ouais? Et toi, t'es d'où? Moi, je suis un badard. Et toi? Anglaise. Bonjour. Ça va? Oui, vous? Ouais, super bien. Tu veux me dire, t'es de quelle origine? Martiniquaise algérienne. Ah ouais, antillaise. Ben, ok, et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? Un antillais. Un antillais? Pourquoi? Mais t'es antillaise? Ouais, mais les antillais, c'est tous des trompeurs. Franchement, je te trouve grave mignonne, je te suis depuis tout à l'heure là. Tu veux pas faire connaissance un peu? Non, je peux pas, Non, sérieusement, hey, tu veux me donner ton numéro? Ah ouais, ouais. Et toi, t'es pas pareil? Non. Et à part les Antillais, y a pas d'autres? Les Français. Les Français, la même chose? Non, mais ils sont blancs. Ils sont blancs, t'aimes pas les blancs? Non. Chinois. Chinois. Et toi? Asiatique. Les Asiates. Tout ce qui est dans l'Asie là. Mais pourquoi par rapport à leur culture ou quoi? Leur tête. Ah, oh, c'est pas bon leur tête. Ah, c'est pas grave. Tu vois, t'as... Un beau sourire. Et toi? Ah, j'aime bien la taille. Y a le feeling ou pas, caméraman? Bon, est-ce que vous êtes en couple? Non. Non plus. Sérieux? Ouais. De belles demoiselles comme vous là. Et pourquoi, dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas en couple? Enfin, moi personnellement, je pense que je suis plus dans mes projets personnels et ouais. Après, si ça doit venir, ça viendra. Enfin, moi personnellement, j'ai pas trop envie de me focaliser pour le moment sur un mec ou l'amour. Ça fait combien de temps que t'es pas en couple? Ouh, ça fait longtemps, c'est un sujet sensible. Ah ouais? Avec quelle nationalité tu ne sortirais jamais? Les Arabes. Les Arabes. Fort. Et toi? Et toi? Moi, j'ai pas de... T'as pas de préférence? Ouais, c'est au feeling. Au feeling? Ouais. Ah ouais. Et toi, développe un tout petit peu, pourquoi les Arabes? Ah, j'ai jamais eu de feeling avec eux. Ah ouais? Ouais, non, jamais. Ouais, non. Ouais, voilà. Juste comme ça? Ouais. Ça arrive naturellement? Il est congolais, pourquoi? Oh! T'es sérieuse là? Bon, dites-moi, non, les Congolais, pourquoi les Congolais? Mais vous êtes trop narcissique. Oh, voilà. Sérieux? Ouais. Un message pour les Congolais, hein? Et puis vous avez une réputation de vous en fidélité. En fidélité. Avec les caps et les anciens aussi. Ah ouais, ouais? Ça t'est déjà arrivé d'avoir une relation avec une Congolais, je sais pas, un Congolais plutôt? Oui. Ouais. Ça s'est mal fini? Voilà. Toi également? Toi également? Non, moi avec un Congolais, non. Mais et comment tu peux avoir ces témoignages côté en fidélité? Non, mais c'est pas la copine en fait. Ouais, de l'entourage, etc. Ah ouais. Et un message à tous ces mecs qui sont infidèles. Vous perdez votre temps. Ouais. Vous perdez votre temps. Et de l'argent. Voilà, vous perdez votre temps et focalisez-vous sur des meufs que vous aimez et ça vaudrait le coup quoi. Ouais. Je vous remercie.